place à celui qui cumule chronique et chanson dans cette émission aux grandes dames de Thomas Croisière, vous l'avez compris. Mais oui, je vais le faire, je vais le faire. Instant karma. Clara, elle a ses bonnes feuilles quand elle fait sa chronique. Voilà. J'avais écrit un très beau lancement pour vous. C'est celui qui est un enfant dans un corps d'adulte. Oh. Et c'est moins répréhensible que l'inverse. Bravo. Merci. Oh. Oh, du coup, je ne fais pas la chronique. Alors, je pensais aujourd'hui vous parler des avortements clandestins dans les cliniques de Brousse, à la frontière guyanaise. Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la bonne période, vu ce qui va se passer ce soir. Bon. On va plutôt faire dans le bisounours. Du coup, je vous propose de revivre le temps de cette chronique, le plus grand moment de l'existence, celui dont vous vous souviendrez toute votre vie, même sur la fin, lorsque vous croupirez au foyer médicalisé du râle poussif de Langres, dans le 52. Alors, j'ai choisi la Haute-Marne parce que je connais un petit peu, puis ça me paraissait corporate avec le côté fin de vie, le côté 2020, vous voyez. Donc, ce bel et angélique instant pratiqué sans masque, je veux bien sûr parler du... Premier baiser. Oh, c'est Emmanuel. Sur une plage en été. Non, stop, pardon, désolé. Non, mais la première pelle n'a pas forcément lieu sur une plage. Ouais, en faux, pour ma part, elle eut lieu dans un garage du centre-ville de Besançon, entre un appareil raclette et des pneus hiver. Ouais, là encore, on perd en exotisme ce qu'on gagne en authenticité, mais c'est bien là que j'ai embrassé pour la première fois, et que d'appréhension et de turpitude avant cette délicieuse minute adolescente. Fallait-il, comme me l'avait vivement conseillé mon copain Pierre-Marie Hézard, avec qui je coécris cette chronique, tourner la langue de gauche à droite sept fois, comme le dit l'adage, en faisant l'inspection détaillée des problèmes gingivaux de l'heureux élu, retenant difficilement sa salive qui s'échappe des bagues de son appareil dentaire. Moi aussi, elle avait des bagues. C'était peut-être lui. Ou au contraire, comme le démentait Jackie Schwartzmann, un autre ami qui a autre chose à foutre que de coécrire des chroniques, fallait-il laisser à votre partenaire l'élégance de définir le sens de rotation et vous abandonner dans cet ouragan bucco-romantique mystère ? Niveau musique perso, je voudrais remercier Eric Serra, qui s'est chargé à l'époque de la bande-son de mon baptême de galoche. On était en pleine sortie du Grand Bleu, en 88. Je retriplais mollement ma troisième, autant vous dire que je venais au collège en Fiat Panda. C'est moi qui conduisais. J'étais moi aussi quelque part un Grand Bleu, au sens immense apprenti, grand néophyte, bref, un bisu du bisou. Bisou qu'on pratiquait d'ailleurs souvent en apnée, comme ce bon vieux Jacques Mayol. J'avais, comme tout bon adolescent, cette chaussure noire, en référence au personnage des films de Weber, symbole de cette François Pignonite aiguë, qui consiste simplement à tout foirer, en commençant par le brevet des collèges, auquel je me suis rendu les mains dans les poches, un crayon de papier sur l'oreille comme un boucher de quartier, et des lacunes dans à peu près toutes les matières. Tout foirer, comme ces faux mots d'absence gaulés par la CPE de l'époque, une ex-Miss France 1948, qui s'était laissée aller pendant les Trente Glorieuses. Méchante comme un chien de fer, mais experte en graphologie, malheureusement. Et oui, alors, il faut expliquer aux pitchouns qui nous écoutent qu'à l'époque, nous étions tous des petits faussaires en puissance et on justifiait les absences par des hiéroglyphes sur des parchemins. C'était il y a bien longtemps. Mais l'espace d'un instant, dans les souvenirs intacts de ce premier baiser, nous fûmes ce Jacques Mayol, alias Jean-Marc Barr, qui, dans sa combi moulante, croise au ralenti le regard de Rosanna Arquette avant d'aller nager sous la glace. Métaphore peut-être de l'âge adulte, cette banquise infinie sous laquelle on trouve parfois quelques bulles d'oxygène coincées et qui permettent encore d'espérer et de récupérer un peu d'enfance. Aldebert. Et alors là ? J'y vais en monopale. Et si vous étiez cette femme, hashtag par Jupiter, on veut retrouver. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'il a un air de Jacques Mayol. Besançon, 1988, entre des pneus hiver. Et la machine à raclette. L'appareil à raclette. Alors Aldebert, sur la bouche, avec la guitare. Et bon, alors, tombez le masque, parce que sinon ça va être très très compliqué. Allez-y Aldebert. Merci. C'est vrai, je fais un peu gringalet. C'est pas l'expérience qui m'étouffe, mais du haut de mes 13 balais, j'ai déjà fait des trucs de ouf. J'ai fini le dernier Mario, ramené des coupes de judo, rendu mes parents si fiers, mais c'est secondaire. J'ai déjà à la piscine, pour les beaux yeux de capucine, tapé le salto du plongeoir, mais ça n'a rien à voir. J'ai déjà attrapé un coq, fait 1000 vues sur TikTok, essayé le char à voile, mais franchement, c'est que dalle. J'ai volé en parapente, dormi tout seul sous la tente, goûté une fois du caviar, mais c'est accessoire. Dans l'épicentre du tourbillon,
colle au ventre des papillons. C'est la foudre qui vous touche, le tout premier sur la bouche. Ça chamboule et ça fait mouche, le tout premier sur la bouche. Le tout premier sur la bouche. J'ai fait les 400 un coup, appris à manier le nunchaku, jouer Nirvana à la gratte. Mais ça casse pas trois pattes. J'ai déjà fait du rappel, un selfie avec Angèle. Je suis monté dans le Silver Star, monsieur dérisoire. J'ai eu ma troisième étoile, vu les aurores boréales. J'ai même caressé un loup, mais ça vaut pas le coup. J'ai déjà fait une nuit blanche, marcher près d'une avalanche et invoquer les esprits, monsieur tout pourri. Dans l'épicentre du tourbillon qui colle au ventre des papillons. C'est la foudre qui vous touche, le tout premier sur la bouche. Ça chamboule et ça fait mouche, le tout premier sur la bouche. Le tout premier sur la bouche. Je connais maintenant tous ces petits noms, les kiss, les becos, les suçons. Me v'là entrée au panthéon des tourtereaux sans formation. Je peux courir sur le bitume. Ça y est, j'ai marché sur la lune. C'est la foudre qui vous touche, le tout premier sur la bouche. Ça chamboule et ça fait mouche, le tout premier sur la bouche. À vous les studios. Le tout premier sur la bouche. Merci. Merci. Bravo. Guillaume Aldebert. Bravo. Bravo, j'adore Aldebert. Qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. En live par Julie Classe. D'habitude, on vous retrouve tous les premiers mercredis du mois, notez-le bien. Et parfois, quelques extras. Mais surprise. Ah oui, ça c'est mais bien. Mais oui, ça fait plaisir. Là,